Chers collègues, Monsieur le professeur Cho, président de la Société vietnamienne de la respiration, je vous remercie de m'avoir invité cette année aussi dans le congrès de la société. Cette année, je vais vous parler des résections anatomiques sous l'aubaire dans le traitement du cancer bronchique primitif. Je n'ai pas de conflit d'intérêts et le plan de ma présentation est le suivant. Quelques mots sur la définition. On va ensuite parler du contexte actuel. On va évoquer les éventuels bénéfices de ce traitement et quelques aspects techniques. Concernant la définition, qu'est-ce qu'une segmentectomie ou une résection anatomique sous l'aubaire? C'est de réséquer le parenchyme pulmonaire qui dépend d'une bronche segmentaire en emportant la vascularisation, autant celle artérielle que celle veineuse. Il y a donc la possibilité de faire 20 segmentectomies dans le parenchyme pulmonaire. Pourquoi on parle de plus en plus de ce type de traitement, donc des résections anatomiques sous l'aubaire actuellement? Eh bien, parce que on a l'impression que depuis Ginsberg, le profil des tumeurs a un peu changé. Déjà, il y a un profil prédominant d'adénocarcinome qui se présente très souvent sous la forme d'un petit nodule périphérique, parfois mixte, en verre dépoli et solide. Et donc, on trouve de moins en moins de tumeurs comme celles que Ginsberg a introduites dans cette étude, ces grosses tumeurs gauches, et on trouve de plus en plus de tumeurs périphériques. Alors, on a l'impression que la lobectomie, qui était la reine de la résection pulmonaire, eh bien, elle est légèrement surdimensionnée quand on parle de nodules périphériques pulmonaires, même si ces nodules sont des cancers bronchiques primitifs. Par ailleurs, depuis 2014, on sait que lorsqu'on fait un dépistage actif du cancer pulmonaire dans la population des fumeurs, eh bien, cela permet une réduction de 20% de la mortalité par cancer pulmonaire et de plus en plus de pays se posent la question de démarrer un programme de dépistage et se préparent pour démarrer ce type de programme. En même temps, on assiste, notamment dans les pays développés, à un vieillissement de la population. Donc déjà, le nombre de populations augmente et en plus, c'est des personnes qui sont de plus en plus âgées, de plus en plus comorbides et fragiles. Et donc, se pose la question de manière très légitime, est-ce que la chirurgie, c'est toujours un traitement qui peut être proposé à ce type de patients qui ont des petites tumeurs et qui sont de plus en plus âgés et fragiles, ou est-ce qu'il n'y aurait pas des alternatives comme la radiothérapie, la destruction percutanée ou la destruction endobronchique? Et pourquoi la radiothérapie est de plus en plus présente et met une certaine pression aux portes de la chirurgie? Eh bien, parce qu'on a régulièrement des articles de ce type que je vous présente ici dans des revues de qualité, et donc des articles qui vont pouvoir dire que la lobectomie est certes meilleure qu'une résection sous l'aubaire, mais que la radiothérapie, elle fait aussi bien que la lobectomie pour ces petites tumeurs périphériques chez les personnes âgées éventuellement. Alors, l'argument que les chirurgiens opposent le plus souvent, c'est que la chirurgie, elle permet de faire un curage ganglionnaire. Mais alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que ce curage ganglionnaire apporte un bénéfice concernant la survie des patients? Et nous avons comme exemple cette étude, qui est une étude certes rétrospective, mais qui a été traitée par un score de propensité, qui compare 9000 lobectomies à peu près 300 patients qui ont eu de la radiothérapie et qui a stratifié les résultats selon le nombre des ganglions. Et alors, on voit qu'effectivement, s'il n'y a pas de curage ganglionnaire, les résultats sont équivalents dans les deux bras. En revanche, lorsqu'on fait un curage ganglionnaire, eh bien, plus on va enlever des ganglions,
mieux les résultats seront, meilleurs les résultats seront, et donc la survie, elle est nettement meilleure en faveur de la chirurgie quand il y a un curage ganglionnaire et surtout quand il y a plus de 7 ganglions qui ont été réséqués. Également, on sait que la chirurgie permet un meilleur contrôle local avec moins de récidives régionales et moins de récidives ganglionnaires. Concernant la destruction percutanée, c'est effectivement un traitement qu'on propose de plus en plus aux patients qui ne peuvent pas bénéficier d'une intervention chirurgicale. Tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est des traitements qui sont tout au début. Et qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle? On sait que ce type de traitement donne à peu près les mêmes résultats que la radiothérapie. En ce qui concerne la destruction endobronchique, eh bien, on est très en amont, on est au début de ce traitement, on est actuellement dans la phase de faisabilité et de sécurité de ce type de traitement. Donc, on revient vers la chirurgie. La chirurgie semble rester un traitement valide à l'heure actuelle pour ce type de pathologie et de patients. Mais on peut se poser la question, au vu du profil nouveau tumoral que nous avons aujourd'hui, est-ce que les résections sous l'ovaire ne sont pas une option thérapeutique chirurgicale? Et on voit dans la littérature que de plus en plus de personnes se posent cette question et que le nombre de publications est dans une explosion, pardon, exponentielle. Eh bien, pour pouvoir répondre à cette question, on peut se poser la question des éventuels bénéfices que ce traitement pourrait avoir. Et alors, est-ce qu'il en a un? Est-ce qu'il y a un bénéfice ou pas traitement chirurgical par résection sous l'ovaire par rapport à la lobectomie? Est-ce que s'il y en a un, ce bénéfice est plutôt sous la forme de la morbimortalité post-opératoire ou peut-être un bénéfice sur la fonction respiratoire post-opératoire? Et pourquoi pas, peut-être un bénéfice sur la survie. Pour répondre à ces questions, on va faire référence à partir de ce diapositive à deux études prospectives randomisées chirurgicales. C'est un fait exceptionnel d'avoir, c'est rare dans la médecine d'avoir des études prospectives randomisées. Dans la chirurgie, c'est tout à fait exceptionnel de pouvoir disposer de ce type d'études. Et donc, nous avons à disposition deux études, une étude américaine qui n'est pas encore finie, mais pour laquelle on a des résultats intermédiaires de sécurité, et l'étude japonaise, le JCOG-0802, qui a été finie et publiée très récemment en avril 2022. Eh bien, ces deux études comparent des cancers bronchopulmonaires primitifs non à petites cellules, inférieurs à 2 cm, qui sont dans un stade clinique 1, donc N0. La lésion se trouve dans le tiers périphérique du parenchyme pulmonaire et c'est des lésions mixtes avec un contingent solide supérieur à 50%. Eh bien, les deux études ne trouvent aucun bénéfice concernant la morbimortalité post-opératoire entre la lobectomie et la résection sous l'ovaire. Je vais juste attirer votre attention sur le fait que dans l'étude américaine, environ 60% des résections sous l'ovaire sont des wedge resections, donc des résections atypiques, alors que dans l'étude japonaise, toutes les résections sous l'ovaire sont des segmentectomies anatomiques. Et en plus, dans l'étude japonaise, eh bien, on a une étude en profondeur de la morbimortalité et on constate dans cette étude qu'il y a quand même beaucoup, de manière significative, plus de morbidité, pardon, si les résections sous l'ovaire sont complexes. Concernant la fonction respiratoire post-opératoire, en effet, elle est meilleure si on fait une résection sous l'ovaire. Elle est de environ 3,5% à 1 an et ce résultat, il est inférieur à celui qu'on avait attendu, qu'on avait prévu dans cette étude qui était de 10%. Mais le résultat le plus important est celui pour lequel l'étude a été projetée, c'est la survie globale.
Et dans cette étude japonaise, on voit que la survie globale, elle est non seulement pas inférieure à la lobectomie, mais elle est même supérieure à la lobectomie à 5 ans. Et donc ça représente un vrai tremblement de terre dans le traitement chirurgical du cancer pulmonaire primitif, non à petites cellules, de petite taille, donc inférieure à 2 cm et sans ganglion atteint, donc N0. Alors, on retrouve dans cette même étude un petit peu plus de survie, de récidive dans le groupe de segmentectomie, puisque la survie sans récidive elle est équivalente dans les deux bras. Mais alors que ce résultat de l'étude japonaise représente, comme je viens de le dire, un tremblement de terre dans la prise en charge chirurgicale du cancer bronchopulmonaire, il faut aussi qu'on discute de qu'est-ce qu'on va comparer et qui parle de quoi. Parce que souvent dans la littérature, on trouve des articles qui comparent des segmentectomies, mais quand on rentre dans le détail, on voit que tout le monde ne parle pas de la même chose. Et c'est pour ça que c'est important de parler de quelques aspects techniques. Et pour illustrer ce que je viens de vous dire, eh bien, je prends cet exemple de cette publication de 2018 qui compare des lobectomies à des résections sous-lobaires et qui trouve qu'il y a une survie à 5 ans similaire, mais qu'il y a 40% de récurrence dans le groupe des segmentectomies. Mais quand on regarde en détail, on voit que parmi les 330 résections sous-lobaires qui ont été incluses dans cette étude, eh bien, il n'y a que 48 segmentectomies. Donc la grande, grande majorité, c'est des résections atypiques. En même temps, le nombre de ganglions réséqués, il est de 7 dans le groupe lobectomie versus 1 dans le groupe segmentectomie. On a vu que les ganglions sont importants dans cette prise en charge. En plus de ça, les marges, elles sont positives dans 6,6% des patients. Donc, vous voyez que lorsqu'on rentre dans le détail, on ne parle pas des mêmes segmentectomies anatomiques comme dans le travail japonais. Il y a aussi cet autre travail d'une équipe chinoise qui est très intéressant, puisque on sait que tous les anatomopathologistes ne regardent pas les ganglions qui se trouvent dans le parenchyme pulmonaire, que ce soit le lobe ou le segment qu'on a réséqué. Et la majorité des pathologistes vont seulement regarder dans les ganglions ilaires et médiastinaux qu'on aura réséqués. Et donc, si on regarde dans les ganglions intraparenchymateux, on va voir que là aussi, il y a des ganglions qui sont positifs et qui peuvent changer la stadialisation clinique. Et cette étude chinoise, donc cette équipe, ils ont de chirurgiens, ils ont fait des segmentectomies pour des tumeurs inférieures à 2 cm en stade 1. Et pour le même patient, ils ont complété la segmentectomie en lobectomie. Et l'anatomopathologiste, il a examiné des ganglions ilaires et médiastinaux, bien sûr, mais aussi les ganglions qui se trouvent dans le segment réséqué et qui a la tumeur dedans, et les ganglions qui se trouvent dans le reste du lobe pulmonaire réséqué. Et ils ont constaté qu'il y a 17% de faux négatifs quand on n'analyse pas les ganglions qui se trouvent à l'intérieur du segment réséqué, et que ce taux de faux négatifs, il va être diminué à 5% si on fait l'analyse des ganglions intrasegmentaires. Donc, ça veut dire qu'il y a des ganglions positifs qui sont à l'intérieur du segment réséqué et qui contient la tumeur, mais aussi dans le reste du lobe dans lequel se trouve le segment qu'on aura réséqué. En plus de ça, je vous donne en exemple ce deuxième publication qui est faite dans l'équipe de l'Institut Mutualiste Montsouris. Eh bien, en plus de l'upstaging habituel de 10 à 15% qu'on retrouve par rapport aux stadialisations cliniques quand on analyse au microscope les ganglions ilaires et médiastinaux qui sont produits lors d'une lymphadénectomie, eh bien dans cette étude, nous avons trouvé 3 ganglions positifs à l'examen histologique extemporané, les ganglions qui se trouvent à la base de la branche segmentaire réséquée, et 7 patients supplémentaires qui avaient des marges de résection positives à l'examen histologique extemporané, ce qui fait un rajout de 3,1% à l'upstaging habituel qu'on a dans ce type de lésion. Alors,
Concernant la marge de sécurité, qu'est-ce que c'est une marge de sécurité? C'est la marge qu'on mesure et qu'on va respecter entre la périphérie de la tumeur et l'endroit où le segment va être sectionné et séparé du reste du lobe. Alors, comment on calcule cette distance? Eh bien, d'abord, c'est par rapport à la taille de la tumeur. Vous voyez, quand on a une tumeur mixte, on va avoir une zone de consolidation et une zone de verre dépoli tout autour. Donc, c'est à partir de cette zone de verre dépoli qu'on va mesurer jusqu'à l'endroit où on va sectionner le parenchyme pulmonaire. Et ça s'appelle une marge de sécurité. Alors, cette marge de sécurité, elle est simple quand on regarde ce schéma que j'ai d'ailleurs repris de l'étude japonaise. Donc, c'est très simple quand on regarde comme ça un schéma. Mais dans la vie de tous les jours, on va très souvent avoir des tumeurs de ce type. Et donc, vous voyez quelle est la difficulté de vraiment définir les marges déjà de la tumeur et en plus les marges de résection de notre résection pulmonaire. Et pourquoi ces marges, elles sont importantes? Eh bien, cette étude qui compare 200 segmentectomies, elle analyse 200 segmentectomies anatomiques pour des tumeurs qui sont inférieures à 2 cm, qui ont une marge de sécurité qui a une taille moyenne de 18 mm. En examen histologique, toutes ces marges ont été saines et vous voyez que dans cette étude, il y a quand même 17,6% de récidive, alors que tous les critères oncologiques ont été respectés et que parmi ces récidives, 90% d'entre elles sont quand les marges de sécurité sont inférieures à 2 cm. Et dans cette étude, les auteurs remarquent que plus ces marges sont petites, plus il y a de récidives. Et alors, ils ont trouvé un cut-off en faisant le rapport entre la marge de sécurité et le diamètre de la tumeur. Et donc, quand ce rapport est inférieur à 1 cm, à 1, pardon, eh bien, il y a un risque de récidive très, très élevé qui est de 25%. Donc, pour conclure, concernant ce sujet des résections anatomiques sous l'ovaire, on peut dire que très probablement la segmentectomie anatomique va devenir le standard dans le traitement chirurgical, puisque l'étude prospective randomisée japonaise, le JCOB 0802, montre un bénéfice significatif sur la survie globale en faveur des segmentectomies anatomiques en rapport avec les lobectomies quand il s'agit de tumeurs de primitifs pulmonaires avec des cellules non à petites cellules qui mesurent moins de 2 cm et qui se situent dans la périphérie du parenchyme pulmonaire et qui ont une zone solide supérieure à 50% et qui n'ont aucun ganglion positif, donc qui se trouvent dans le stade clinique 1. Pour complètement valider cette stratégie et pour qu'elle puisse rentrer dans les guidelines, il va falloir attendre quand même le résultat de l'étude américaine qui seront probablement disponibles en 2024. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour des éventuelles questions.